Ben écoutez, nous sommes mercredi 8 mai, sous le soleil et la chaleur, évidemment ça change. Là-bas au fond, il y a notre ami Nico que j'ai amené sur mes terres. Donc on est en train de faire ce champ, alors qui vient d'être mis à plat mais qui n'est pas semé pour le moment. Donc la dernière vidéo, j'étais au croisement là-bas, vous voyez, donc juste derrière la butte. Donc on y retournera certainement tout à l'heure. Et puis là, on a décidé de faire celui-ci en premier. Donc, ça fait quoi 10 minutes qu'on est là. Alors, j'ai trouvé quelques petits jouets. Voilà. Donc, une moissonneuse, un jouet. Et puis ici, dans ce trou pas très profond, une belle boucle. Or, je sais pas si c'est une boucle d'attelage ou... En tout cas, il y a une belle patine. C'est pas une boucle récente, mais... Difficile à dater comme ça. Alors certes, peut-être une boucle d'attelage, je sais pas, elle a l'air d'être en cuivre ou en bronze, donc c'est bizarre pour une boucle d'attelage. Elle est légèrement cassée ici d'ailleurs. Voilà, bon, enfin une petite boucle avec son ardillon. Voilà. Voilà, ça sera difficile de savoir à quoi elle servait, mais on la nettoiera. Hein. C'est pas, elle est pas en fer, donc on va la nettoyer, on va la garder celle-ci. Et on va continuer. Donc j'ai déjà fait une lignée proche du talus. Donc là je me suis écarté d'un pas. Et puis je retourne au bout. Et puis voilà, je fais quelques allers-retours en bordure. Moi je crois pas trop au milieu de champ quand on trouve rien au bord. Mais on verra. De toute façon, on a toute la journée. Ça fait vraiment beau. Il y a des bois aussi là-bas. Bon, c'est un petit peu isolé, donc je sais pas si ça vaut le coup de les faire. Enfin, on verra tout à l'heure suivant la chaleur. Et puis notre ami Dom-Nicole nous rejoindra certainement cet après-midi. Donc on fera une pause à midi et puis cet après-midi on partira à 3 je pense. Voilà, bon écoutez, à tout de suite, il y a de nouvelles trouvailles. Petite boucle, qui était un tout petit peu plus loin là. Ici, ça m'a l'air d'être une monnaie, mais je suis pas sûr. Bon, en tout cas, si c'est une monnaie, c'est en alu. Bien encrassé. Voilà. En tout cas, c'est très léger. Et elle va être esquintée de toute façon. On nettoiera, vous voyez. Elle est rognée. Alors si c'est une monnaie alu, à moins que ce soit une monnaie plus ancienne que ça, mais je pense pas, j'y crois pas trop. On n'est pas à l'abri non plus d'une grosse merdouille. Quoique. On peut se tromper sur un billon ou une connerie pareille. C'est trop léger pour être du billon, je pense, mais. Ça ressemble vraiment à de l'alu. Hein. Alors, j'essaye de vous avoir une petite. Bon, bah écoutez, je sais pas du tout. C'est pas du tout. Ah, c'est plus de chance de ce côté-là. Bon, on voit bien qu'il y a de l'alu en dessous, quoique. Peut-être des traces de. Bon, ou peut-être une médaille en argent. Peut-être une médaille en. Un reste de médaille religieuse, peut-être, ronde comme ça. Je ne sais pas, je vois pas bien. Je pense qu'il y a des écritures, des bricoles. Bon. On verra ce que ça donne. C'était certainement une petite monnaie alu, mais. Ça doit pas. Ça doit pas valoir grand-chose tout ça. Super au nettoyage. Allez, je continue. Un petit vieux qui. Enfin bref, bon. Donc après quelques allers-retours sans rien, et ben écoutez, ici, une deuxième monnaie. Bon, elle sera pas formidable, mais c'est une royale. Très fine comme ça. Je pense pas qu'il faille en tirer, qu'il faille attendre en tirer quoi que ce soit. À moins qu'elle soit. Quoique, je sais pas. À mon avis, beaucoup de concrétion, donc il restera plus rien dessus. Hein. Voilà, bon, ben, trace de passage déjà, de toute façon, dans le coin. Alors, je sais pas si c'était beaucoup fréquenté ces trous ou si ça a été fait, mais il y a quelques traces de monnaie, alors plutôt des monnaies anciennes. Hein. Voilà, bah ben, écoutez, je vais continuer, je vais aller voir notre ami Nico qui est là.
Et vu le peu de choses que ça donne, bon, le champ est immense, hein. On a juste fait le bord, mais comme je vous l'ai dit, en général, si on n'a pas quelques bricoles sympas sur le bord, après, plus loin. Alors là, j'ai commencé ici, pourquoi? Parce que, vous voyez, le chemin fait une grande courbe. Je pense que ça pouvait, il y avait des chances qu'avant, il coupe droit. Donc je refais encore un aller-retour, et puis après, on changera de quoi. Allez, à plus. Avec une nouvelle ligne. En bout de ligne, avec un son super franc, c'est ici. Bon, il sera abîmé, mais c'est un bouton à la grenade, hein. Avec son attache, il sera complet. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait. Alors, en relief, oh, il y en a encore, ouais. On verra nettoyer, ça sera peut-être sympa. Pour compter sur la patine. Donc voilà, bouton militaire. Hein. Donc ça, Second Empire. Voilà. Bon, ben. C'est certainement plus en meilleur état qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. On va continuer. Disais à Nico, et puis après on verra pour changer de coin si jamais ça donne pas plus. Moi je suis pas, enfin il y a des fois où je peux passer la journée à insister. Si j'avais trouvé une belle pièce, je l'aurais fait. Bon, quand c'est que des bricoles, je préfère passer à autre chose. Mais on va faire encore 3-4 mètres dans le champ là, puis après on décidera. Allez, à tout à l'heure. J'ai quitté la labour là, on se rendait vers la voiture. Et puis j'ai voulu maintenir l'axe, hein, de la route, hein, vous voyez, qui est là vers les arbres là. Et donc voilà, je suis descendu, j'ai bien fait, on voit ma trace. Hein. Et ici, donc assez profond, à son franc par contre, moi j'ai bien fait, voilà, une jolie petite boucle. Alors elle a l'air décorée et tout, bon elle n'est pas toute neuve, je pense que c'est du 17e ça. Mon dôme me confirmera certainement. 17 mais 18e maxi, hein. Mais moi je pense que c'est plutôt 17 ce genre là. Voilà, bon bah ça y est, je recommence mon abonnement aux boucles, ça me déplaît pas, hein. Je vais vous dire franchement, elle est jolie là, faut la brosser un coup pour voir. J'essaierai de sauver la patine quand même, mais voilà, bon bah on va faire quelques allers-retours dans le champ avec Nico pour voir quand même, parce que peut-être que celui-là à côté ça a été fait et que là un peu moins. Et puis après on bougera un tout petit coup avant midi, et avant de retrouver notre ami d'homme. Voilà, sur le beau paysage. Allez. À tout de suite, ou alors à cet après-midi pour la suite des aventures. Et plus. Tous là, on est en début d'après-midi. Notre ami Dom s'est joint à nous. Comme prévu. L'ami Nico est là-bas. Donc on vient d'attaquer le champ que j'avais fait hier en bordure là. Et ici, plein milieu du champ. Bon, j'ai passé un coup dessus. Hein. Pratiquement à vue. Hein. Elle brillait, elle était juste sous la motte. Une jolie 5 francs. Bon, malheureusement pas en argent, mais bon, une 5 francs de 1971. Bah écoutez, une monnaie, j'avais déjà trouvé une 20 centimes. Bon, peut-être qu'on va trouver une royale derrière, comme hier. On verra bien. Voilà, bon, en tout cas, monnaie. Et ben c'est reparti, alors on vous montrera tout à l'heure, là, notre ami Nico ce matin, juste au moment de rentrer vers la voiture, dans le petit pré, là. Il nous a fait un bel as de Nîmes, complet. Donc tout à l'heure en fin de journée on vous montrera ça quand même, ça vaut le coup. Et puis on va continuer sur ce champ, tranquille. Allez, à tout de suite. Bon ben je vous reprends. Bon, 2 minutes après la monnaie, je l'ai sorti, je l'ai posé, je l'ai nettoyé un peu. Donc dans ce trou là ça sonne nickel. Hein. Et une superbe boucle. 17e. 18e. Voilà, bah, je suis à nouveau abonné aux boucles. Belle décoration, je ne vais pas trop la fauter. Il y a une patine sympa à ajouter à la collection. Ça fait du bien de commencer à retrouver des objets. Hein. Voilà. Bah écoutez, on poursuit l'aventure. Et je vous reprends tout de suite. Allez, deux amis là-bas au bout du champ. Là. Bon, là, ça a sonné, pas besoin de creuser. C'est. Voilà, c'est dans la motte, on va le prendre ensemble. Ah bah c'est sympa. Ça c'est super sympa, alors je sais pas ce que c'était, c'est une décoration quelconque. Mais voilà, bien sympa ça, bel objet. Bah écoutez, hein. Je pense de l'âge des boucles, hein. Vu comme c'est. Hein. Voilà, bah écoute, espérons qu'il y aura d'autres objets encore.
Allez, je reprends la chasse. Et les deux amis là-bas. Je pense que c'est Nico qui a dû trouver quelque chose. Ou plusieurs choses, mais il va lentement, il a raison. Mais bon, il y avait quand même quelques monnaies dans ce pré. Dom a trouvé une alu. On a trouvé quelques bricoles. Et moi j'ai suivi là le chemin là. Donc j'ai fait une partie du champ, puis là je fais juste la bordure, j'ai bien fait, là il était même pas enterré. Ici, une vieille monnaie, je pense que c'est du royal aussi ça. Alors si c'est du Napo, c'est vraiment pourri, mais en bordure de champ comme ça, il y a quelques restes, hein. Après je sais pas si c'est un Napo. En tout cas si c'est un Napo, il est mort. À moins que ce soit une petite tour royale, je sais pas. On verra. Voilà, bon, quand on verra en nettoyage, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose à en tirer. Mais une nouvelle monnaie. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Les amis sont filés dans le bosquet là. Je voulais y aller, mais ouais, c'est vraiment trop touffu. Ça, c'est du boulot pour d'homme. Et puis, bon, ça se rafraîchit, mais il faisait vachement lourd. Donc, sous les arbres comme ça doit être bourré de moustiques. Donc, je fais juste un petit coup comme ça, vraiment superficiel. Et puis là, un son. J'ai cru que c'était un sifflet, mais en fait, c'est encore un jouet. Les restes d'une voiture, voilà, petit jouet. Donc ça en fait deux là. Ce matin j'ai fait une moissonneuse-batteuse. Et puis là, je la mettrai à la suite de celui-ci. Alors je sais pas si on voit la marque, mais bon, j'ai pas mes lunettes, hein, donc je sais même pas en quel sens faut regarder. J'ai vu Corvette, il me semble, par là. Voilà, bon bah un petit jouet d'époque du siècle. C'est que le dernier, certainement. Voilà, sympa. Je vais jeter un petit coup d'œil là. Et je vous reprends s'il y a quelque chose. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nouvelle sortie ce vendredi 10 mai. Donc, toujours avec Nico qui doit être quelque part perdu par là. Et un de ses potes de Saint-Loup, hein, Franck. Donc, on va les retrouver certainement tout à l'heure. Donc on est dans un bois qui est relativement encombré, mais comme là ici, vous voyez, ça commence à s'éclaircir, j'ai commencé à quadriller un peu, et j'ai bien fait. Bon, rien d'exagéré, mais j'aime bien ce genre de trouvaille. On va commencer aujourd'hui la journée par un joli bouton qui est ici. Alors apparemment 54e ou 34, je ne sais pas. Voilà, un beau bouton Premier Empire qui est complet avec son attache. Voilà, bah écoutez, c'est sympa. Enfin, nettoyer, il est assez lourd, donc il doit être en bronze. Voilà, je sais pas si vous verrez. C'est bien 50, ça va être 54. Voilà. Voilà, bon écoutez, première trouvaille de la journée. Peut-être 51 même. Ouais, ça ressemble, je sais pas. Avec la concrétion, on voit pas bien. Voilà, pour un bouton militaire, sympa. Petit objet. Donc vous voyez, il y a un plateau là. Un petit peu plus en hauteur dans le bois. Là, je vais le quadriller à fond et on verra bien ce que ça donne. Et puis, je vous reprends tout de suite à la prochaine trouvaille. Tout de suite, le trou du bouton était là. J'ai juste fait le tour comme ça. Hein. Après, je vais quadriller dedans. Hein. Ici, nouvelle trace de passage. Ici, donc militaire, hein, certainement en rapport avec le bouton. Alors, il va être peut-être. Non, il va savoir, il est entier. Une petite bague à coudre. Donc l'intuition n'était pas mauvaise. J'essaie d'enlever ce qu'il y a dedans, mais enfin, en tout cas, elle est entière, je vais la laisser comme ça. Voilà, bon, petite bague en coudre. Donc il y a eu soit des campements, soit du passage des militaires ici. Il y a des chances de trouver la peau. On va voir ça tout de suite. Je vais quadriller tout le coin. Voilà, bah, écoutez, à tout de suite. 2 minutes après vous avoir pris là, ça fait un petit moment que je vais être dans le coin, je passe, repasse, c'est calme quand même, hein. Il y a eu des traces de passage, mais bon, ça a peut-être été fait aussi, hein. De toute façon il y a des traces de trous un peu plus bas là-bas, donc je me suis enfoncé un peu dans le bois là-bas, j'ai eu l'impression de m'être un peu perdu, donc je suis revenu sur mes pas, et puis donc surtout sur ce plateau là, hein, où j'ai trouvé donc mon petit dé à coudre, et puis ce vieux bouton, mais écoutez, la première monnaie de la journée, elle est là. Alors ça n'a pas l'air tout neuf, je pense pas que ça soit la même époque, bon c'est tellement encrassé que... Voilà, je pense que c'est plutôt une royale, c'est arrondi. Écoutez, je vais pas la frotter, on va voir au nettoyage, à moins que... Il y ait du métal de cloche, ça serait sympa, mais... C'est lourd, ça ressemble bien à du sol.
Mais du sol en cuivre, il y aura peut-être un. Il y aura peut-être quelque chose, je ne sais pas. Bien encrassé comme ça, difficile, hein. J'essaye, pardon, j'étais pas devant la cam. Peut-être une patine. Ouais, bon, c'est très encrassé. Bon, c'est des fois, c'est l'avantage de ces terres hyper collantes, c'est que ça protège bien. Donc, quand elles sont grattées, après, des fois, il y a des beaux restes. Moi, je pense que c'est une monnaie cuivre. Ça me paraît un petit peu trop arrondi pour être du napo. Moi, je pense plutôt à une heure royale, mais écoutez, on verra au nettoyage si elle ressort. Bon, bah écoutez, première monnaie, je vais continuer. J'essaie de me rapprocher, voir si je trouve les collègues, mais pas de nouvelles depuis tout à l'heure. Mais... on verra bien. De toute façon, je suis pas perdu, la route est juste en bas, je l'ai repérée. Et je continue un petit peu, puis je vais essayer de les... plus. Bonjour à tous. Alors, début d'après-midi, là, on a fait un petit repas tranquille chez Nico, et on arrive. On est garé à peu près à 50 mètres là-bas. Donc j'ai suivi la route nationale. Là. Et donc je profite d'un petit plat comme tout à l'heure. Voilà, avec a priori un ancien chemin ou une délimitation de terrain. Peut-être plus un chemin cette fois. Bon, on va voir. En tout cas ici, premier son. Trace de passage. Voilà, j'ai l'idée à coudre. Voilà, bon écoute, on verra ce qu'il donne, je vais le laisser comme ça. Et là, non, j'ai cru qu'il était cassé, non ça va, il est entier. Voilà, bon encore un objet. Et ben comme tout à l'heure, on va quadriller à fond quoi. C'était peut-être un ancien pré, là ou là à côté, on va voir. On va quadriller. Allez, à tout à l'heure.